behind the line in 3, 2, 1, power up! Et c'est parti! All the bots are moving forward. And we haven't managed to take ownership of the switches, but all the bots have crossed the line, so that's 15 points even. Et voici que les pilotes prennent le contrôle. Captain Retro is in the middle. Are trying to get control of that switch. The Red Alliance have done it. They've taken their switch already. Voici les Aigles d'Or qui prend possession de la balance pour les Rouges. Cactus électrique de Shawinigan qui agrippe les cubes, sans doute pour les rapporter dans le portail d'échange de l'Alliance. And Strike is grabbing a cube for the Red Alliance. Les robots ont de la difficulté à agripper les cubes. Les Aigles d'Or ont réussi. On vient placer un deuxième cube dans la balance centrale en faveur des Rouges. Oh, malheureusement, ça bascule. Oh, attention, les Bleus ont perdu le contrôle de leur bascule. Strike has managed to remove ownership of the blue switch. And the Red Alliance is now in the lead. Les Rouges qui ont leur bascule et la balance. Les Cactus électriques qui continuent d'apporter des cubes dans leur coffre. Oh! Un robot a basculé au centre. C'est les Chevaliers First qui vont donc rester à l'horizontale pour le reste du match. Rien pour aider les Bleus qui tiraient déjà de la patte. Il reste 25 secondes. Les Bleus activent tous les bonus qu'ils peuvent. Alors qu'on s'avance, une victoire sera difficile. Et voyons si on peut escalader la paroi. Oui, les patenteux réussissent à grimper. Et les Captain Retros are there as well. Let's see if Strike can get on the platform. Il y a un cube qui gêne le passage aux Aigles d'Or.